Je tiens d'abord à remercier particulièrement la Ligue des droits de l'homme d'avoir invité mon organisation, l'APF, à son université d'automne. Le sujet de l'accès à la santé est un sujet éminemment important pour nous. Il est même crucial, en ce sens que la bonne santé, finalement, elle conditionne l'autonomie des personnes en situation de handicap. C'est crucial de ce point de vue-là, du point de vue des personnes, mais c'est crucial aussi pour l'APF, notre organisation, parce que nos adhérents ont exprimé, lors de nos deux dernières assemblées générales et de manière récurrente de toute façon, leurs vives attentes sur ce sujet-là, qui est un sujet prioritaire, puisque la vie de tous les jours ne peut être vécue de manière autonome que si ces personnes-là sont en bonne santé. Les difficultés, peut-être d'abord aussi un chiffre, hein, quand même, pour marquer les esprits. Il y a quand même en France 12 millions de personnes en situation de handicap, près d'un pour cent de la population. Pourtant, c'est comme si on les ignorait. Les difficultés, elles sont connues. Les faits, je veux dire, les constats des difficultés d'accès à la santé, ils ont déjà été posés par la Haute Autorité de Santé, notamment dès 2008, lors de l'audition publique. Et ils sont, 10 ans après cette audition, toujours d'actualité. Les personnes en situation de handicap sont toujours majoritairement touchées par à la fois les inégalités sociales et les inégalités territoriales en santé. J'ai choisi d'inscrire mon propos sur cette table ronde dans un propos plus large, puisque vous nous avez invité à intervenir aujourd'hui dans la séquence droit en santé et citoyenneté, et vous nous proposez donc de nous exprimer sur la question de la santé au regard du handicap et de la dépendance, et vous dites une santé sous contrainte. Mais est-ce vraiment le handicap qui contraint la santé, ou la santé des personnes en situation de handicap qui est contrainte, pénalisée par l'inadaptation finalement de notre système de santé, ou bien les deux d'ailleurs. Donc, je m'inscris dans ce propos plus large, hein, que la contrainte, c'est pas que l'enfermement ou l'hospitalisation d'office, dont je partage en plus tout ce qui vient d'être brillamment dit. Voilà. Mais donc avant, pour répondre à ces questions-là, moi je vous propose de prendre le temps de décrire la réalité quotidienne des personnes en situation de handicap dans leur parcours de santé. C'est utile d'abord de pouvoir avoir à l'esprit quels sont leurs besoins de santé. Globalement, ils sont de deux ordres. Il y a les besoins de santé dits spécifiques qui sont liés à la pathologie invalidante dont la personne est porteuse, et là, qui relève d'une prise en charge, on va dire, spécifique par un spécialiste. Mais il y a aussi des besoins de santé ordinaires, comme tout le monde, communs à tous les citoyens, et là, qui nécessitent aussi, pour être correctement pris en compte, une approche et une connaissance du handicap pour rendre le système de santé de droit commun, j'allais dire, effectivement accessible. Parce que, malheureusement, on constate que le handicap fait trop souvent oublier deuxième axe de droit commun ordinaire. Par exemple, la question de l'accès à la santé bucco-dentaire. Elle n'est posée que très rarement. Il faut savoir que c'est un vrai, véritable problème pour les personnes en situation de handicap. Voilà. C'est vraiment un vrai, vrai problème. Vous ne pouvez pas accéder comme ça. Ce n'est pas qu'une histoire d'accessibilité du cabinet. Il faut que le fauteuil du dentiste soit accessible, que le dentiste soit aussi, connaisse un petit peu les différents types de handicaps, parce que certains handicaps peuvent avoir des réactions auxquelles il faut s'adapter. Donc voilà. Donc l'accompagnement aujourd'hui reste focalisé sur d'autres problématiques, les problématiques classiques connues des médecins, c'est-à-dire la spécialité relative à la pathologie invalidante, mais il n'y a pas que cela. Et très concrètement, justement, pour respecter le droit à la santé des personnes en situation de handicap, ça suppose de permettre aux personnes en situation de handicap
à la fois donc, l'accessibilité des lieux de prévention et de soins. Donc pour se rendre dans ces lieux-là et se faire soigner, il faut qu'ils soient accessibles. Avec, il faut qu'ils soient accessibles, hein, au sens où on l'entend, mais aussi il faut que les moyens d'autonomie dont dispose la personne pour se rendre dans ces lieux-là soient, j'allais dire, acceptés. Aujourd'hui, on n'y pense pas souvent, mais ça n'est pas le cas. Par exemple, les fauteuils roulants électriques, les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant électrique, il faut savoir que c'est incompatible avec un transport sanitaire pris en charge par l'assurance maladie. Puisque, bon, ou alors vous allez mettre la personne dans une ambulance, ensuite dans un brancard, dans un couloir, etc. Si vous voulez la transporter avec l'aide technique qui lui permet d'être autonome, il faut à ce moment-là que ce soit un transporteur donc spécialisé. Mais là, ce n'est pas pris en charge. Même si c'est pour aller se faire soigner. C'est incroyable. Alors que l'ambulance l'est. Bon. Cela suppose aussi, donc, pour respecter le droit à la santé, de mettre en accessibilité les lieux, les installations aussi, les salles de bain, des chambres, etc. Par exemple, les équipements, c'est-à-dire hauteur de lit, la préhension des boutons d'appel, hein, tout basiquement. Hein, la plupart du temps, vous ne pouvez pas accéder aux boutons d'appel pour sonner. L'adaptation des appareils d'imagerie aussi aux personnes qui ne peuvent pas se tenir debout. Là, on a aussi très concrètement des incidences, notamment pour les femmes en situation de handicap, dont on sait que la plupart des examens nécessaires au dépistage, par exemple, du cancer du sein, etc., ne sont pas possibles, accessibles. Et du coup, cette population-là est particulièrement exposée. Donc, respecter le droit à la santé, ça suppose aussi pour les personnes en situation de handicap de développer un accueil adapté, un accueil qui favorise la relation de confiance, c'est-à-dire de prendre le temps, dans une atmosphère calme, de pouvoir échanger avec la personne, de réduire aussi les temps d'attente. Pourquoi ? Parce qu'elle peut avoir des besoins impérieux, tout simplement d'aller aux toilettes ou d'autres problèmes de ce genre-là. Développer aussi un accueil qui permette la communication, donc et l'écoute active, et respecter les droits à la santé des personnes en situation de handicap, ça suppose aussi d'associer, lorsque la personne en situation le souhaite évidemment, les accompagnants de la personne, afin finalement de garantir la continuité du parcours de santé et de prendre en compte l'expertise d'usage de l'accompagnant. Parce que l'accompagnant, enfin le tiers qui en général est présent aux côtés de la personne en situation de handicap, il faut savoir, quand ils accompagnent sur le lieu de soins, que ce sont les personnes qui sont présentes au quotidien auprès de la personne en situation de handicap. C'est celle qui fournit l'aide humaine, qui vient compenser les conséquences du handicap, par exemple. Donc, voilà, c'est elle qui va donner le médicament. Donc, il faut absolument prendre en compte l'accompagnement, que ce soit la famille ou que ce soit des tiers qui accompagnent la personne. Lorsque la personne en situation de handicap souhaite évidemment que ses accompagnants soient associés. Le respect du droit à la santé exige aussi d'adapter les soins et les traitements, hein, aux conséquences du handicap. Là, c'est toute la question de la iatrogénie, de la comorbidité, de la prévention du handicap, des interactions médicamenteuses, des prises de médicaments aussi qui doivent être adaptées, par exemple aux difficultés de déglutition, certains qui ne peuvent pas du tout déglutir. La manipulation. Il faut s'assurer également, au-delà de la pathologie pour laquelle la personne est soignée, de la bonne mise en œuvre au quotidien des soins qui sont liés au handicap, les soins pulmonaires, les aspirations endotrachéales, etc. Et tout particulièrement aussi les soins préventifs. Pour respecter donc ce droit à la santé, ça demande enfin d'adapter également donc la prise en charge non médicale aux conséquences du handicap. Toutes les aides à la toilette, à la prise des repas. Et plus globalement, c'est aussi, j'allais dire, lever les obstacles sociaux et économiques à l'accès aux services de santé. Il faut savoir qu'en France, il y a plus d'un million de personnes en situation de handicap sur 10 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a sur 10 millions de personnes en situation de handicap, sur 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, il y a plus d'un million de personnes en situation de handicap. Ces personnes donc vivent avec des ressources inférieures au seuil de pauvreté. C'est à peu près
les 70 000 personnes qui sont titulaires de la pension d'invalidité, je ne sais plus combien de bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, mais bon, dans l'impossibilité de se payer, on parlait tout à l'heure d'une mutuelle, etc., il faut savoir aussi qu'il y a des restes à charge absolument colossaux pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup d'aides techniques ne sont pas couvertes ni par la Sécu, ni par les mutuelles, ou peut-être de manière totalement insuffisante, et laissent des restes à charge absolument insoutenables, alors que beaucoup de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Donc cela, ça conduit à quoi ? Ça conduit bien souvent au fait que la personne en situation de handicap va renoncer à se faire soigner, à obtenir les soins qui sont nécessaires pourtant à sa santé. De même, il y a aussi toute une partie de produits de santé qui sont considérés pour tout un chacun comme des médicaments, ou en tout cas des produits de confort, et qui ne sont pas remboursables, alors que ils ne sont même pas sur la liste des produits et prestations remboursables, alors qu'ils sont pourtant essentiels à une vie autonome, effective, pour la personne en situation de handicap. Lors de la première table ronde, M. Batifoulier disait ce paradoxe, que finalement, les personnes qui ont le plus besoin de soins sont celles qui sont le plus exposées à des restes à charge les plus élevés, et que l'histoire de la sécu réputée à 100%, oui, personne en situation de handicap, on est dans la liste, et 100%, pour autant, les restes à charge sont absolument colossaux. C'est aussi, pour pouvoir adapter, respecter le droit à la santé des personnes en situation de handicap, c'est lutter aussi contre le refus de soins de la part des professionnels de santé, ça existe, professionnels de santé qui refusent de soigner la personne parce qu'elle est en situation de handicap, mais aussi donc de lutter, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, contre le renoncement aux soins de la part des personnes qui se découragent parce que tout simplement le système de santé est inadapté, et face à cette inadaptation, tout est très compliqué. Donc voilà. En effet, le handicap peut aussi conduire à des besoins particuliers, donc ils vont contraindre la santé. Mais le handicap, c'est aussi, et avant tout, pour moi, pour nous, à l'ABF, un révélateur, en fait, des carences de notre système de santé. Et pour l'ABF, l'accès à la santé pour tous implique la possibilité pour toute personne, que ce soit en situation de handicap ou pas, mais particulièrement pour les personnes en situation de handicap, d'accéder à l'ensemble des services de santé dans des conditions du droit commun, tout en prenant en compte les besoins spécifiques lorsqu'ils sont là pour les personnes âgées comme pour les personnes qui sont handicapées. Et c'est pour cela que l'APF a plaidé dans le cadre de la construction de la stratégie nationale de santé pour que dès le départ, c'était la priorité, pour concevoir dès le départ une politique publique dans une logique de conception universelle. Ainsi, un plan de prévention doit être pensé dès le départ comme accessible à tous et non pas après, on se pose la question de son adaptation après. On fait. L'APF a également appelé à ce que la stratégie nationale de santé soit multisectorielle afin d'agir en fait sur tous les déterminants sociaux de santé et de mettre en synergie, pouvoir mettre en synergie l'ensemble des acteurs qui participent à la construction des parcours de santé, les patients, leur entourage, les professionnels, les associations. Donc, l'ensemble des acteurs comprend la santé de la personne en situation de handicap, et l'APF a demandé que la stratégie nationale de santé soit construite à partir de l'évolution des besoins et de l'expertise d'usage des patients. Et nous avons aussi demandé que la stratégie nationale de santé identifie et mette en œuvre des indicateurs d'évaluation de son impact, parce que ça, c'est absolument essentiel. On a parlé de coût tout à l'heure. Ce n'est pas un coût pour moi, c'est un investissement. Et c'est absolument essentiel que de pouvoir le mesurer. Donc, les indicateurs pertinents. Et au final, donc, pour l'APF, les valeurs d'une politique publique de santé favorisant le prendre soin des personnes en situation de handicap, elles doivent d'abord être guidées par le respect des droits fondamentaux des personnes, la dignité, l'équité, la solidarité et l'éthique. Et on peut mobiliser, pour la politique publique de santé, trois leviers pour garantir la vraie participation de la personne à qu'elle fasse des choix éclairés.
garantir le libre choix par à la fois l'augmentation du niveau de littératie en santé, la levée des freins, j'en ai parlé tout à l'heure, à l'accès équitable pour tous à des services de santé pertinents et de qualité. Et le troisième levier, c'est le développement de mesures d'accompagnement à la prise de décision, telles que préconisées par l'article 12 de la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, afin que plus aucune décision en santé ne soit prise sans le consentement éclairé de la personne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et je vous remercie.